Bien salut à tous et à toutes, c'est Erzor, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Poudlard RP. Donc voilà, donc Poudlard RP qui est un serveur Harry Potter en alpha fermé pour l'instant, ouais. Et du coup là je me retrouve sur l'endroit où on doit choisir si on a un garçon ou une fille. Du coup moi un garçon, ton personnage sera donc un garçon. Alors du coup alors, tu commences une quête réveil. Pour commencer, voudra plus sur toi et tu es un garçon une fille, donc ouais, ça c'est bon, on connaît tout. Ça c'est autre chose. Voilà. Donc, bonjour Erazor. On m'a prévenu de ton arrivée. Je suis ici pour te faire découvrir le monde des sorciers. Commençons par te donner un petit avant-goût des quêtes. Descends donc voir ta mère. File maintenant, Dobby. Ne dois pas rester. Mon chéri, lève-toi, il est l'heure. Oui, je garde la même voix. Bonjour mon chéri, comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais bien, maman, merci. J'en connais un qui a encore rêvé de Harry Potter. Je crois que le facteur est passé. Peux-tu aller voir le courrier? Voilà. Du coup, oui, j'ai eu une clé alpha. Voilà, donc alors fourniture. Oui, donc je dois être un des seuls encore qui commence une aventure maintenant. Alors du coup Poudlard rentre. Alors vêtements, chapeau de sorcier. Du coup on devra acheter un chapeau de sorcier, des tuniques décollées, des poudres, ouais, les vêtements quoi. On devra acheter les livres. Les composants d'ailleurs, cochet de serpent, le tulou, les fils d'araignée, les ailes de fée, canne de troll, l'arme de phénix, crâne de bloqué, affaires scolaires, plumes, chaudron en étain, sac d'école. Merci de vous procurer cette liste de fournitures. Et fournitures obligatoires avant votre premier jour d'école à Poudlard. Cordialement, école de Poudlard. Ah, monsieur, madame, nous vous sommes heureux de vous informer que vous avez été accepté à l'école. École de sorcellerie de Poudlard, nous avons joint une liste de fournitures à acheter pour la rentrée des cours. Nous sommes impatients de vous recevoir dans le cadre de la nouvelle génération du patrimoine de Poudlard. Cordialement, l'équipe de Poudlard RP, professeur Eyaki Kun, Poudlard RP, école de sorcellerie, directeur Legia. C'est bon, j'ai tout lu. Rien comme courrier. Ensuite, tiens. Moi, j'étais accepté à Poudlard. Je suis fier de toi. Voici quelques galions pour aller faire tes achats. Il y a une centaine de galions qui t'attendent à la banque. Le magicopus t'attend, prends à gauche en sortant de la maison et continue sur la route, tu devrais le trouver. Merci maman, je t'enverrai des hiboux régulièrement. À plus tard. Je deviendrai le plus grand sorcier de tous les temps. Oula. Cela m'étonnerait beaucoup. Du coup en sortant à gauche. Du coup au départ je voulais faire ça avec quelqu'un, mais vu que personne n'a de clé alpha, enfin les personnes que je connais, bah du coup ça sera, pour l'instant ça sera du solo en attendant. Voilà, du coup voilà le magicobus. Bienvenue au magicobus, souhaitez-vous acheter un ticket? Oui, mon galion, vous avez reçu un ticket de magicobus. Bien, voici votre ticket. Montez dans le bus et asseyez-vous. Ok, mais d'abord je... Excusez-moi monsieur, mais où va le bus? C'est ta première année, c'est ça? Ce bus va au chaudron, mon petit chaudron baveur. Assieds-toi, maintenant nous devons partir et accroche-toi. C'est parti, terminus. Le chaudron baveur, tout le monde descend. Ok. Le chaudron baveur, c'est ça. Entrez au chaudron baveur. Et psst, tu as l'air d'un sorcier, n'est-ce pas? Les sorciers, ça n'existe pas, monsieur. Mais oui, haha, fallait que je reclique dessus en fait. En attendant, si tu cherches le chemin de travers, va voir à côté de la porte au fond. Et bonne chance, Erazor. Attendez, comment connaissez-vous mon nom?
Ils vont sombrer dans l'alcool. Je vais aller par là-bas. Non, c'est pas par là. Ok. Monsieur, vous pouvez pas plus m'aider? Ouais, chagrin, te fais pas ta pute. Bon, du coup, nous cherchons. C'est pas par là. Donc déjà, cela réduit beaucoup. Ah voilà. Open, voilà. Tu as fini la quête, le chemin de traverse. Tu commences la quête achat. Parlez au PNJ tutoriel. Bonjour Razor. Bienvenue au chemin de traverse. En recevant ta lettre de... pour Poudlard, tu as reçu une lettre de fourniture rouge ou un compte à la banque Gringotte afin de débuter tes achats. Elle se trouve juste en face, tu ne peux pas la rater, file maintenant, Dobby ne peut pas rester. Juste en face. Oh. Le bâtiment est immense. Bonjour monsieur. C'est pour. On m'a dit qu'il était possible d'ouvrir un compte en banque ici. Votre nom? Irzor. Ah non! Attendez là. C'est fait. Bienvenue à Gringotts, Irzor. La banque vous offre 50 galions pour votre arrivée. Vous pouvez aller les retirer. Prenez à droite en sortant de sur l'escalier, vous y trouverez la première étage de votre quête. Bonne chance. Que voulez-vous, monsieur Razor? Ça fait quoi si on retire de l'argent? Voilà. J'ai 64 galions sur moi. Pour l'instant, ça devrait suffire. Du coup, acheter un champignon venimeux. Donc, c'est marqué juste là. Ouais, du coup, la RP, moi, je trouve que ça, ça va. Attends, c'est... Faut partir par là. Ensuite... C'est là. Ouais. Voilà, du coup, alors. Champignon. Allez voir ma collègue Betty si vous cherchez le livre sur les plantes et leurs vertus. Prenez la passerelle sur votre gauche, puis contournez là. Il se trouve une boutique avec des vitres vertes. Vous ne pouvez pas la rater, c'est ici que continue votre quête. Des vitres vertes. Ouais. Donc, oh merde, j'ai pris le mauvais côté, du coup ça le fera pas. Là il y a des vitres vertes, mais la flèche n'indique pas. Attends, c'est par où? Prenez un passerelle sur votre gauche. Ben si, gauche est là. Ah, la passerelle, attends. Non. Oula, j'écris rien. On va aller là. Juste là. Île d'Arose. Mais par contre, je sais pas par où y aller. Attends, du coup, on va passer par là. Mais j'ai une passerelle. Bon. Tu vois là. Debout. Ah là, debout, c'est ceux qui font pour leur bail magique. À mes souvenirs en regardant les vidéos.
que oui, j'ai regardé des vidéos, bien sûr. Qui ne l'a pas fait. Du coup, alors, c'est ici, île d'Arose. Ouais, c'est ça. Eh, ne partez pas, il me reste quelques bricoles pour vous. Ok. Et ne portez pas, il reste quelques bricoles pour vous. Oh, la clé. Prenez à droite en sortant de la boutique, puis remontez à la grande avenue jusqu'au... Ok. Badass, la clé. Attends, du coup, c'est où? C'est toujours devant, ok. Le chapeau. Ah, enfin le petit chapeau de sorcier. Non, c'est pas là. C'est juste à côté, je crois. Je crois que c'est là. Oui. Ok, 5. Ouais. Je mettrai tout à la fin. Attends d'être à Polar pour ouvrir ton coffre. Enfin ton sac. Sauf qu'en vrai je peux pas l'ouvrir, je vais prendre le champignon du coup. Attends, du coup clic droit. Ah oui, mais comme ça le clic droit. Du coup, menu du joueur. Chapeau. Chapeau de débutant. Voilà. Un sorcier d'Halloween. Du coup, ensuite... potion pour les débutants, c'est là-bas. Là. C'est Dumale Erin. Voilà, Taylor est à l'étage. Si vous cherchez des potions magiques, bonne chance. Alors du coup, bonjour Taylor. Vous allez bien? Ça veut pas? Attendez. Ah voilà. Votre prochain arrêt, le premier magasin de la rue à côté du passage. Ok. Bon. Du coup du jeu, il y a eu un petit truc que je sais pas. Ah. C'est lui. Voilà. Du coup on va voir Denric River. Un petit chaudron. Ok. Et ne partez pas, il me reste quelques bricoles pour vous. Ok. Le livre des sortilèges se trouve en face du magasin. Ça doit être celui-là. 5, il me reste pile 5. Ah, vous cherchez la boutique de Kunda Anna. Remontez à la rue, prenez à votre droite, elle est spéciale. D'abord, je vais chercher quelques petits galions. Car je n'ai plus de galion. Voilà, allez, on retourne à la banque. Bonjour, je veux du pognon. Faut arriver comme ça, non? Pognon, s'il vous plaît. Du pognon. Merci, au revoir, j'ai mon pognon. Alors du coup, Kunda Anna, elle est par là-bas. Du coup, alors Kunda... Putain, j'ai quelques petits lags. La flèche indique là, ouais, c'est ça. Le truc très spécial. Voilà, du coup, attends, je vais tirer... Mes galions.
Je vais ranger tout ça. Voilà. Alors du coup. Crochet. Vous ne partez pas, il me reste quelques bricoles pour vous. Et ne... encore, encore, elle va me donner combien de trucs. La boutique de Zephyra se trouve en face de la mienne, un peu à droite. Zephyra. Zephyra, ça doit être celle-là. Non, juste à côté. Ok, je me cours déjà. Alors du coup, je suis... du coup, alors, enquête. Alors du coup, des ailes de fée. Voilà, et ne partez pas, j'ai encore quelques bricoles pour vous. Qu'est-ce qu'elle me donne maintenant? Comment ça s'appelle? La canne de troll. Encore? Encore. Et ça, quand la baguette? Allez, on prend les graines de blé. Retourner à la table chez Ollivander. Ah, voilà. Ollivander. Il est au bout de la rue. C'est ça. Ollivander. Vas-y. Moi, je vais choisir... celle-là. Voilà, alors tu as fini la quête. Acha, félicitations, tu as désormais une guette dans ta possession. Fais-y attention. Tu commences une nouvelle... tu commences à quête un nouvel ami. Qu'est-ce que... qui traîne dans, devant mon magasin? Pas moi. Oh, l'ivrogne. Ah, Irazor, je vois que tu as fini d'acheter tes fournitures. Mais qui êtes-vous? Tu me connais pas? C'est normal, mon nom est Hagrid. Je suis le garde chasse de Poudlard. Attends, l'école m'avait demandé de t'accompagner pour acheter tes fournitures. Moins 5 points. Ah, ça c'est eux. Mais je me suis égaré. Suis-moi. Je peux au moins te conduire à la boutique d'animaux pour te faire pour me faire pardonner. Fais-moi signe quand tu es prêt. Très bien, suis-moi. Allez, suivons Hagrid. Hagrid, si t'es champion. Et suis-moi le pantal. Non, désolé. Allez, avance Hagrid. Bon, moi perso, je sais c'est où il va m'attendre vers là. Nous y voilà, la ménagerie magique. Je t'y attends dehors. C'est ici qu'on doit aller. Voici 21 galions. Voilà. C'est pas ici, c'est juste à côté. Ok. C'est là. Non, ça c'est le même. Qu'est-ce que je suis teubé? Ça doit être là. Non, ça c'est du mal. Je suis perdu. C'est là, voilà. Ici, c'est bon. Merci, Edith à Hagrid, que je le vois, qui est là. Quoi? Attends, je le vois. Qu'il sorte d'ici, lui et son monstre. Je vois que tu as ton hibou, pense à le nommer. T'es prêt à partir à la gare? Attends, entrez un nom de votre... un nom pour votre hibou et recliquez sur l'offre pour annuler. Ok. Mon hibou s'appellera... je sais pas moi, j'ai pas réfléchi. Comment il pourrait s'appeler? Je sais pas moi. Je vous fais une petite ellipse tant que je trouve. Ouais, genre tant que j'ai trouvé le nom. Hoot hoot. Voilà. Entrez un
Bon, félicitations, votre œuf de hibou a éclos, le nouveau s'appelle Out-Out. Du coup, je vois que tu as ton pince à leur nommer, tu es prêt à partir pour la gare. Oui. Alors, c'est parti. Je ne pourrai pas te suivre de la gare, je te laisserai à l'entrée. Tu as fini ta quête à un nouvel ami, tu commences la quête. Le Poudlard Express. Yeah. Poudlard Express. Voie 10. Je crois que c'est par là. Et que c'est juste là. Voie 9. Voie 9 3 quarts. Voilà. Achetez un ticket. Contrôleur. Bonjour, un ticket, c'est 4 galons de pièces. Oui. Voilà, j'ai un ticket du Poudlard Express. Montons dans le Poudlard Express. J'ai dû louper. Attends, la mienne elle doit être ouverte. Ouais, ici. Bon, attendez 3 secondes. Oh, je me suis juste mis en ne pas déranger. Qu'est-ce que... Le train semble s'être arrêté. Je vais aller voir ce qui se passe. La porte est fermée. Poussez-vous, je jette un sort pour déverrouiller cette porte. Allô, mon rat. Il me semblerait que ça ne marche pas. Vous voulez essayer? Vous êtes un sorcier, non? C'est ce que je... Bah, attends, c'est que je me suis jamais servi de ma baguette. Aucun problème, je vais vous apprendre. Cliquez sur sort pour apprendre Allô Mora. Parfait, ouvre ton menu joueur pour faire... Voilà, fais ensuite clic droit sur sortilège. Voilà. Ensuite, je fais ça. Ça. Beau gosse. Super, ça a marché. Allez voir ce qui se passe. Je reste ici. Oui. C'est par là, je crois. Ouais. Là-bas, il y a un mécanicien. Ah, vous tombez bien. Je suis le mécanicien de ce train. Attendez, il fait chaud. Apparemment, des lutins de ont encore infesté le train. Pourrais-tu aller voir dans le premier nacelle, celle devant la porte, et verrouiller? Une fois là-bas, active le levier, je t'en serai reconnaissant. Première nacelle, levier. À vous de jouer. Ça marche, le tir démarre, merci Razor. Allez vous rasseoir. Merde, bah, moi ça doit être... Moi ça doit être celle fermée ce coup-ci. Donc pas là-bas. Ou attends. Bah la fermée c'est celle là-bas. Ah merde, bah c'était déjà sur Alomora. Voilà. Ah vous voilà, bien joué. Le train va repartir, on se retrouve à Poudlard. Tu as fini la quête, le Poudlard Express. Tu commences la quête, la nouvelle... La quête... direction Poudlard. Bon, on va s'arrêter plus loin. Je vois que tu as ton hibou, pense à le nommer. Tiens, Irazor, pas trop pénible ce trajet. Le conducteur m'a dit que vous avez un grabuge. Oui, un peu. D'accord. Suis-moi, je t'emmène à Poudlard. Et je te suis. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il y a des trucs d'Halloween qui le font ralentir. Ah, je peux le bloquer. Non.
Allez. Prends ta place dans la calèche. Voilà. Prends la place. Non, ça c'est bon. Ah, il est là-bas. Je vois que ton... Ah, tu vas emprunter un des bateaux là-bas, il te plaît. Oui. Et là, le petit... Tour en bateau. Donc voilà mon petit skin d'Halloween. Oula, ils ont entouré cette salle de toile d'araignée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un tour dans le bateau, il bougera pas. C'est prédéfini. Voilà. On va rester comme ça, c'est stylé. Voilà, du coup, j'espère que cette série va vous allez bien l'apprécier. Je sais que Warmax a voulu faire un épisode, mais lui, il a été pendant que c'était un petit instant de alpha ouverte. Bon, voilà, j'ai payé. Enfin, j'ai eu une clé. Voilà, du coup, nous sommes arrivés. Voilà. Alors. Ils ont rien dit? Non. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour cet épisode. Et je vous retrouverai dans un nouvel épisode parce que là, ça fait 27 minutes et ouais, ça fait pas mal. Du coup, je vous retrouve au prochain épisode. Allez, bye.